Golf Mag vous est présenté par Sélection Retraite, où l'exceptionnel prend vie. Cette émission est enregistrée sur les sites du Select, centre d'activité. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Golf Mag. Si vous êtes le moindrement sur les réseaux sociaux, vous savez sans doute que le centre d'activité, le Select, offre une panoplie d'activités. Évidemment, le golf est au cœur de celle-ci. Et en deuxième lieu vient le foot golf, qui gagne en popularité au Québec ces dernières années. Mais c'est maintenant plus d'une vingtaine d'activités qui sont offertes. Et normalement, ce sont des non-initiés au golf qui viennent s'adonner à ces activités-là. Peut-être deviendront-ils golfeurs. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Mais au cours des 30 prochaines minutes, ce qu'on vous propose, c'est surtout de découvrir un magnifique parcours dessiné en pleine nature dans les Basses-Laurentides. Bonne émission! Le Golf Le Select offre un parcours de 18 trous dessiné par l'architecte Claude Saint-Pierre. Il est classé 4 étoiles par l'Association des terrains de golf du Québec ainsi que par la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Construit en 2002, ce golf public à normale 72 s'allonge sur 6600 verges et est toujours en excellente condition, même après une pluie abondante. John, on peut dire que c'est un retour pour vous au Québec. Vous avez habité outre-frontière en Arizona pendant quelques années. Moi, j'aimerais d'abord connaître l'origine de votre retour au Québec et plus particulièrement ici au Golf Le Select. Disons que j'ai passé la plupart de ma vie aux États-Unis. J'ai été en Arizona en tant que, mettons, instructeur à l'école Bill Scully Golf Academy. J'ai suivi la méthode d'enseignement s'auto-corrigée. C'est que la personne qui prend une leçon de golf peut identifier les erreurs qu'ils font quand ils frappent une balle et en les identifiant, d'être en mesure de se corriger à concentrer sur le mouvement qu'ils ont fait qui n'est pas correct, plutôt que de « on va corriger, j'ai levé la tête alors que ce n'est pas l'erreur qu'on a fait ». Ensuite, quand j'ai parti de l'Arizona, j'étais sur le petit tour Hooters américain. J'ai été invité par Mme Vallière de venir rencontrer, mettons, ses membres à la fin de l'année passée. Et j'ai trouvé ses membres et elle-même ou la famille tellement gentille que je ne pouvais pas le refuser. C'est un terrain ultra bien entretenu. On voit qu'ils mettent le cœur pour arriver à tenir le terrain à un niveau quasi parfait. Moi, je qualifie ce terrain-là, mettons, un peu de tout. C'est que vous pouvez aussi bien penser que vous êtes sur un trou, ah, c'est donc bien facile. Et le prochain trou, vous dites, c'est donc bien compliqué. Votre secteur du parcours préféré, ce serait quoi, à votre avis? J'aime le trou numéro un parce qu'il est tellement stratégique avec un dogleg énorme. Très prononcé à droite. De gauche à droite. Si tu manques ton coup, tu vas pas bien loin, t'arrives d'un paquet de branches. Puis même, ça commence bien, mais ça se termine bien aussi parce que le 18e, c'est ça, c'est à mon deuxième trou. John, merci pour ces informations. Puis on va se revoir de toute façon parce que plus tard à l'émission, on va jouer le trou de la semaine ensemble. C'est ça. Ça va être lequel? Ça va être le trou numéro 17. Un petit trou intéressant. Merci. Voici maintenant le portrait Golf Mag de la relève. Aujourd'hui, nous rencontrons une jeune femme qui a le golf dans le sang. Laurie, on a entendu parler de toi beaucoup en bien. Ton golf semble progresser de belle façon. On aimerait savoir d'abord comment tu as été initiée au golf, comment tu as commencé à jouer. Bien, c'est vraiment... mes parents ils ont toujours joué au golf, mes grands-parents aussi, fait que le golf a toujours été dans notre famille. Puis, à un moment donné, moi, j'avais 8 ans, ma sœur qui est plus âgée, elle avait 10 ans. Mes parents se sont dit que c'était la bonne âge à nous commencer, essayer au moins. Puis, on a rentré membre au club de golf Le Mirage en 2010. Puis à partir de là, il y avait un excellent programme junior. Donc on a eu la piqûre, moi et ma sœur. Puis ça a resté depuis ce temps-là, notre passion. Est-ce que tu étais talentueuse dès le départ ou ton apprentissage s'est développé? Comment ça s'est passé? Non, ça a développé avec le temps. Au début, j'étais pas très bonne. Mais ouais, non, avec le temps, avec des cours, avec la pratique puis beaucoup d'efforts, ça a porté fruit. Ça prend de la persévérance, hein? Oui, beaucoup. Comment tu te qualifies comme golfeur? Je me qualifierais plus puissante parce que je vais beaucoup chercher de distance avec mes drives. Je me suis entraînée beaucoup physiquement pendant l'hiver. J'ai un entraîneur justement privé en musculation au gym. Donc, je trouve que ça a vraiment fait une différence. Donc, pour cet été, je me qualifierais puissante puis
continuer à travailler un peu partout parce que c'est pas juste les longs drives qui font une championne. Là. Fait que on essaie de travailler partout. Le 17e trou est une normale 3 de 154 verges. Elle offre un beau grand vert bien réceptif tout en profondeur. Ce n'est pas le trou le plus difficile du parcours. Par contre, un coup frappé trop à gauche rencontrera un obstacle d'eau latéral. Ben, c'est un très beau trou ici, le 17e au Select, John. Et tu nous disais un petit peu avant de monter sur le terre de départ que c'est un trou qui donne des maux de tête, qui donne des ennuis, autrement dit. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, parce que mon coup d'œil, ça m'apparaît comme un trou relativement simple. Ça l'est. C'est pas parce que c'est un trou qui est excessivement difficile, sauf qu'elle a un penchant vers la gauche. OK. Et quand le groundskeeper, qu'on dit en anglais, là, quand le groundskeeper, mettons, il décide de nous faire le mauvais coup, il place le fanion à gauche, arrière, et là, devient complexe. Mais aujourd'hui, c'est pas si mal. Non, aujourd'hui, ça a l'allure. Même le verre n'est pas desséché. Il est très réceptif. Ça fait que donc, on court des chances d'avoir quelque chose de bien ici. C'est de l'eau presque du terre de départ jusqu'à la gauche du verre. C'est la rivière qui s'amène. C'est ça. 140 verges déjà là où on se trouve. Laurie, elle, devant, va jouer à 132 verges. Danny, le propriétaire, me disait aussi que c'était peut-être un des verres les plus réceptifs du parcours. C'est vrai? Ça, c'est vrai. Alors, John, comme vous connaissez bien votre terrain, je vais vous laisser les honneurs. Et merci. Et puis, on va espérer. On le sait que vous allez nous frapper un très bon coup compte tenu de votre vaste expérience dans le domaine du golf. Et juste avant de vous exécuter, j'aimerais connaître le choix de votre bâton pour la distance aujourd'hui. Pour ici, vu mon âge, je vais prendre plutôt d'un fer 9, je vais prendre un fer 6. C'est correct, ça. Allez, John, mets ça proche. OK, bien joué. Ça, c'est au trou. Magnifique. Merci. Bravo, monsieur. Merci. Bien joué. Merci. Moi, je vais prendre un fer 9 pour cette distance-là. Ça devrait être pas pire. C'est bien joué. Très bien. Ça devrait être pas mal. Beau petit draw. Ouais, je vais prendre ça là. C'est ça. Ben. Petit pot en montant. Oui. Laurie, on va aller à ton départ? C'est bon. Alors, Laurie, ça va être à ton tour de t'exécuter sur une distance un petit peu plus courte, quoique pas tellement avantagée de ce côté-ci. J'aimerais que tu nous donnes peut-être ta perspective de ce trou-là. John nous a donné la sienne. Toi, tu le vois comment, ce trou-là? Bien, je le trouve relativement simple. C'est sûr que John nous a donné une bonne... Bonne lecture. Une bonne lecture tout à l'heure. Mais oui, je vais essayer de garder centre droit pour... parce que tout tombe vers la gauche. Mais c'est sûr qu'il doit avoir du vent parce que le trou est relativement ouvert. Ça peut peut-être être surprenant. Alors, 132 verges, tu as quoi dans les mains comme bâton? Fer 9. Fer 9. Alors, ouais. On va te regarder. Puis je vais te laisser faire ta routine en même temps. Merci. Tu peux y aller. Ça va nous permettre de voir comment tu te débrouilles. Alors, tu disais fer 9, c'est ça? Oui. As-tu déjà fait un trou d'un coup? Pas encore. Ce serait le bon moment. Ce serait le bon moment avec les caméras qui tournent. Là. On aimerait bien ça. Solide, Laurie. Bien joué. Merci beaucoup. Good, excellent. On va aller voir ça? Oui. Comme ça, faire du scooter, Laurie? Eh oui, ça donne vraiment une belle expérience de golf, pour vrai. Complètement différent? Ben oui, c'est tellement le fun. Wow! John, on va aller voir nos balles. Ouais. Je pense qu'on a trois balles sur le verre. C'est parfait, ça. John et Laurie, on peut dire mission accomplie pour les trois. Laurie, je pense que ça va être à toi. Tu es la plus éloignée des trois. Je vais m'occuper de... Moi, les honneurs. Ouais, je vais... Tu en es enlevé ça. Comment tu le vois, ton pote? Il monte au début, puis il doit tourner beaucoup à cause de l'eau. Oui, ben en fait, c'est ça. Il a plu un petit peu. On l'a pas vu, mais les verres sont très réceptifs.
John, on ne peut pas dire qu'on ne t'a pas écouté. Là. Les trois, on est du côté droit du verre, donc on est du bon côté. Là. On est du bon côté pour avoir resté sur le verre. Là, le challenge, c'est de l'arrêter avant qu'il descende sur une pente glissante. Qu'est-ce que tu vois comme ligne? C'est-tu à peu près haut comme ça? Oui. C'est bien vu, ça. Ah, beau pote! Tom! Bien joué! C'est de la normale! Excellent, Laurie! Merci beaucoup! Tu vas avoir une belle balle propre en plus. Tiens, je vais te laisser le fanion. Merci beaucoup. Puis ça va être à... John, c'est à toi? Oui! Oui. Allez, descends encore un peu. Allez! Ah, c'est bien jugé. Bien joué, John. Une autre normale concédée. C'est facile, le jeu, là? Très bien. Très beau. Et une autre balle propre. Ouais, il y a une petite cassure. Ah, quasiment un bon pied. Un bon pied à droite. T'as un peu d'avantage. On vous a montré le chemin. Effectivement. Allez-y, il n'y a pas d'excuse. Vous avez été un bon prof. C'est à voir maintenant si je suis un bon élève. Ah oui, oui. Oh! Une petite saucette. C'est bien. Une petite saucette, c'est le fun. Oh! Hein? C'est extraordinaire. John, Laurie, merci beaucoup d'avoir joué le trou de la semaine avec nous. Merci à vous. Puis je vais vous souhaiter surtout une superbe saison, du beau temps comme ça, puis surtout beaucoup de birdies. Merci. Merci à vous deux. On n'en a jamais assez. Non, ça c'est vrai. T'as quoi, t'as 16 ans? Oui. Le fait d'avoir une sœur aînée, qui te devance comme golfeuse, qui est un peu plus grande. Est-ce que, quelque part, ça t'a servi de stimulation, de motivation? Oui, beaucoup. Beaucoup. On veut toujours battre la grande sœur. Puis, ouais, fait que ça a été une très grande motivation pour moi et je pense pour elle aussi, parce qu'elle, elle veut pas se faire battre par la petite sœur. Donc, on avait vraiment une bonne complicité au terrain de golf. J'essaie de suivre ses pas. Elle s'en va à l'université américaine en août. À part bientôt. As-tu des visées outre-frontières, de poursuivre tes études à l'étranger tout en incorporant et en gardant le golf dans ta vie? Oui, j'aimerais vraiment aller à l'université américaine en golf. Je trouve qu'ils ont vraiment des beaux programmes, autant académiques que sportifs. Donc, j'aimerais persévérer là-dedans bientôt, là, en 2021. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Raconte-nous donc une semaine typique d'entraînement. Admettons, sur une semaine de 5 jours, je passerais 2 jours de 1h30 à l'entraînement physique. Après le restant des journées, je pratique le matin, 3h à peu près. Ça, on va jouer soit un 9 ou un 18. Samedi, dimanche, c'est souvent consacré avec mes parents à jouer, une petite journée familiale. Mais entre-temps, j'ai beaucoup de tournois, beaucoup de compétitions à l'étranger. Donc, c'est un peu compliqué d'être toujours fixe dans les horaires. Mais quand je suis à la maison, ça ressemble à ça. Quel aspect du jeu du golf préfères-tu le plus? Celle qui me passionne le plus puis qui me fascine le plus, ça serait vraiment plus le mental. Parce que en une journée, tu peux jouer ta meilleure game puis le lendemain, ta pire game. Fait que c'est vraiment dans la tête. Puis d'être capable de contrôler ça, de trouver le juste milieu entre le bon coup, le mauvais coup sur le terrain puis de pas laisser tes émotions t'affecter positivement ou négativement, c'est vraiment fascinant. Puis c'est beaucoup de travail puis faut vraiment que tu sois 4h15 de temps concentré, c'est exigeant. Bien, Laurie, merci de nous avoir accordé du temps et puis on va te souhaiter bonne chance pour la suite de ta carrière et de ta saison. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Après la pause, nous poursuivons notre découverte du club de golf, le Select de Mirabel. Restez là. Le Conseil Golf Mag avec Jérôme Blais est enregistré sur les sites du golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International Centre du Golf. On cherche tous à frapper loin la balle et à swinguer à 100 et 110 de notre capacité maximale parce qu'on croit que cette façon-là va nous permettre de créer le plus de vitesse pour frapper le plus loin possible. Mais la réalité est tout autre. Lorsqu'on veut frapper plus loin et plus droit, il faut s'élancer plus doucement.
La vitesse idéale pour frapper loin et droit, c'est de s'élancer à 75-80 de notre vitesse maximale. Parce que lorsqu'on s'élance trop rapidement et trop fort, on perd souvent nos angles de puissance. Donc, on arrive à la balle avec peu d'effet de levier. Et lorsqu'on s'élance à 80 de notre capacité maximale, on garde nos angles de puissance plus longtemps et au moment de l'impact, on a un bel effet de levier avec nos poignets qui nous permet de créer de la vitesse sans ressentir tout l'effort que ça nous demande. Alors, le conseil qui est important de retenir aujourd'hui, on s'élance à 80-75 de notre capacité maximale, ce qui nous amène à un point d'équilibre avec la vitesse de l'élan et la qualité de l'impact. Quand on combine ces deux éléments-là, on va chercher distance et précision. Donc, pensez à vous élancer plus en douceur, vous allez frapper plus loin et plus droit. Bonne saison! Danny, le centre d'activité, le Select, porte très bien son nom parce qu'évidemment, vous axez vos activités principales sur le golf, mais il y a beaucoup plus à faire ici, plus que jamais, devrais-je dire. Je pense que tous les golfeurs peuvent s'amuser, mais ça va bien au-delà des golfeurs. Effectivement. Dans le fond, nous autres, ce qu'on focalise beaucoup, là, c'est d'avoir le plus d'activités possible pour que tout le monde puisse venir s'amuser. On parle des petites familles, des gens, mettons, t'as des gens qui viennent jouer au golf. Papa joue au golf avec le plus vieux ou la plus vieille, puis maman, elle joue pas au golf vraiment, puis sa petite-fille non plus, pas encore trop jeune. Bien, ils peuvent venir jouer au foot-golf, ils peuvent aller en canot, en kayak, en planche à pagaie sur la rivière, ils peuvent faire des activités de spike ball à la plage. En bref, on a 18 activités qu'on peut faire là, sur le site, là, fait qu'il y en a pour tout le monde. On est parti avec l'idée foot-golf au début, puis le foot-golf répondait à un besoin pour les grilles horaires, tout remplir ça. Puis au-delà de ça, on a vu que la clientèle changeait beaucoup. Là, on a beaucoup de jeunes familles, on a beaucoup de gens qui viennent pour redynamiser l'entreprise familiale puis vraiment bien la structurer, on la diversifie. Tu sais, quand on dit pas toujours mettre ses œufs dans le même panier, là, ben, on l'applique comme à 100 là, ce dicton-là. Quelle est la réaction de la clientèle qui débarque ici pour la première fois? J'ai des gens qui arrivent pour venir faire du kayak. Ils disent « Ah, on savait pas qu'il y avait du golf ici. » Puis des fois, j'ai des golfeurs qui me disent, quand on débarque des planches à pagaie puis qu'on passe devant eux autres, ils nous regardent avec un air étrange. Hein, on peut faire ça ici? Ben oui, oui, c'est correct. Ben, on va revenir la semaine prochaine puis on va venir faire de la planche à pagaie. C'est quoi la prochaine étape pour le centre d'activité Le Select? Ben, je dirais qu'on continue de se diversifier et on regarde toujours pour les nouvelles activités, les nouvelles tendances que les jeunes aiment aujourd'hui. C'est pas nécessairement ce que l'autre génération avant aimait. Fait que, quand je pense au soccer bull, là, une activité typiquement récente là, il y a quelques années, bien, se rentrer dedans dans des bulles, là, c'est le fun puis les jeunes aiment ça. Fait que, on y va avec ça, puis tantôt, il y aurait peut-être d'autres innovations ailleurs dans le monde qui se font, puis on le prend puis on l'amène ici. Danny, vous avez été instigateur il y a quelques années. Je me souviens même d'avoir essayé ici vos fameux golf boards. Là, vous avez poussé ça un peu plus loin. Vous avez introduit des scooters golf. Ça fonctionne très bien, ça. Je suis vraiment étonné. Ouais, ce qui est le fun des scooters golf, c'est que, un, on en a plus que quatre. Les golf boards, on est toujours à quatre, puis les seuls quatre au Québec encore à ce jour. Fait que quand on veut essayer l'expérience, mais maintenant, la nouvelle expérience, c'est les scooters. Et les scooters, on en a 10. Fait que là, c'est le fun pour faire des foursomes complets, un petit groupe, tout ça. Et les scooters, c'est 100 électrique, c'est stable. On met le sac en arrière, c'est bien attaché. C'est le fun, le scooter golf. Puis en plus de ça, ils sont équipés de Bluetooth. Vous pouvez mettre votre musique préférée tout en jouant à votre partie. C'est vraiment, vraiment cool. Partout où les voiturettes peuvent aller, c'est silencieux. Et c'est stable. Ah, c'est stable. Les pneus sont quasiment un pied de large. Là. Génial. Danny, c'est toujours un plaisir de parler innovation et bien sûr golf avec toi. Super, merci. Vous le savez, le golf, c'est ma grande passion et je salue les initiatives de Danny Beauséjour, le propriétaire ici, qui n'hésite pas à multiplier les démarches. Question d'initier des jeunes à venir découvrir ce magnifique sport. Et je vous mets au défi aujourd'hui à Golf Mag, amenez un jeune de votre entourage, garçon ou fille, sur un parcours de golf et qui sait, peut-être, deviendra-t-il un futur champion.
Merci de nous avoir suivis cette semaine à Golf Mag. Aimez notre page Facebook Golf Mag. Et surtout, sortez golfer. Ayez du plaisir. On a un super été. Suivez Daniel Melançon sur Twitter. Aimez notre page Facebook. Golf Mag vous a été présenté par Sélection Retraite, où l'exceptionnel prend vie. Cette émission a été enregistrée sur les sites du Select, centre d'activité. Notre question de la semaine pour compléter l'émission, il y a une belle rivière qui sillonne les 17e et 18e trous ici au centre d'activité, le Select. Quel est le nom de cette rivière? Répondez en grand nombre sur notre page Facebook Golf Mag.